C'est parce que tu regardes les yeux fermés. Va donc voir dans la sécheuse. Pas de me croire tout de suite. Écoute la plaque, si j'ai pas raison, on va laisser faire. Pourquoi je t'écouterais? T'as rien qu'une vieille. C'est mieux qu'un gros épais. N'oublie pas qu'elle a déjà raison dans le passé. Toi, je t'ai pas parlé. Hé, hey, c'est le carcasse, mon pied, qui va parler à ton derrière. Dis-tu qu'est-ce qu'il te dit, mon derrière? En tout cas, je sais pas, mais c'est pas fin. Bon, Will et moi, j'allais entrer voir ce qu'elle a dans toi. Pas tout, tu paras le guet. Tu dois te faire pour que mon père ne fasse pas le lavage, compris? Oui, madame! Bon, va lui falloir des noms de code. Toi, Willy, tu seras 001. Et toi, Patou, tu seras... Superman qui fly! OK. Et moi, je serai à 0. Vous êtes prêts pour l'aventure? Je suis sûr que c'est dans ta tête. Puis, je l'avais dit qu'il y avait quelque chose de bizarre ici. Je suis sûr que tu as échappé ta lampe de poche dedans. Si tu ne pourras pas voir toi-même... Je crois que Willy, t'as vraiment envie d'y aller. OK. T'es malade? Tu veux pas qu'on rentre là-dedans? Oui, puis on va découvrir ce qui se passe là-dessous. Bon, on y va. Puis toi, Patou, oublie pas qu'on compte sur toi pour que mon père ne fasse pas le lavage. Inquiète-toi pas, ben, je suis prête à faire n'importe quoi tant que je ne rentre pas là-dedans. Mais vous n'avez rien à craindre, ni le vent, ni la neige, ni la douce rose matinale. Me fera dévier de ma mission et laisse-moi vous dire que... Pourquoi tu me sautais dessus? Je peux être exprès. Oui, t'as fait exprès. T'as juste à pas aller dans la veuse en premier. Allez, montre voir tes amis, j'ai du travail à faire. Oui, mais... Allez, allez, ouf! Bon, qu'est-ce que c'est ça encore? J'ai jamais dû t'écouter, on sortira jamais d'ici. Je vais essayer de jouer Patou avec mon walkie-talkie. May the force be with you. Mais c'est bien sérieux que je... J'ai jamais rien qui marche avec toi. Ben, moi, je cherche. Toi, tu peux juste te plaindre. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Moi, je serais resté chez nous. Ben, c'est pas mieux. Chaque fois qu'il vous manque un bas, c'est ici qu'il se retrouve. Je suis très impressionné par votre courage. Vous êtes les premiers à arriver jusqu'à moi. Laissez-moi vous présenter mes sous-fifres. Fidèle Bastro. Le très honorable Mia Bassan. Yasser Araba. Abba Chrétien. Yeah! Monseigneur le Bape. Didier de la Chaussette. Ouais, j'ai une moustache. Bien sûr, bien sûr. Yaba. C'est qui, vous? Je suis le Général Tide et je veux conquérir le monde. Les humains nous maltraitent depuis trop longtemps. Vous nous enfermez dans d'étroits petits souliers puants sans jamais nous laisser voir la lumière du jour. Votre règne de terreur est terminé et le mien commence. Voici Bapolo 1, l'outil de ma future victoire. Et vous serez aux premières loges pour ce moment historique. Après l'explosion,
je vais faire établir de faux gouvernements à travers le monde pour m'assurer de la victoire. Je vais installer des salles de cinéma dans tous les pays pour envoyer une fausse image de mon monde. J'installerai aussi des chaînes de restaurants où la nourriture sera si grasse que les gens n'auront plus la force de combattre. Il faut que je cache le savon. Encore toi? Sors d'ici! On a l'air, il fallait accrocher après le missile. Je m'excuse de t'avoir rendu ici. Tu pouvais pas savoir. Je m'excuse d'avoir été aussi bête avec toi. Dans le fond, t'es une très bonne chef pour les super ultra détectives. Cher bas, cher chaussette, aujourd'hui est un grand jour. Le jour de notre vengeance. Le jour de notre indépendance. Certains d'entre nous vont mourir. Mais notre courage aura raison de l'oppression. Pendant des siècles, les humains nous ont enlevé notre dignité. Mais nous ne nous enlèverons jamais notre liberté! Général Tide! Il est là-bas! Je n'aurais jamais cru que vous auriez pensé... L'assoupisseur... Je ne peux plus bouger. On se reverra à Noël! Moi? Merci, tu nous as sauvé la vie. C'est rien. Après, vous avez réussi. Ha ha ha!